Eh bien, salut à tous les amis, c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons en police nationale. Bon, excusez-moi pour cette courte pause les amis, mais je vais aujourd'hui vous reparler du site CDKeys. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le site que vous pouvez apercevoir derrière moi, un site où vous pouvez payer vos jeux moins cher. A chaque fois je vous en parle sans vous expliquer clairement ce que c'est, sauf qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment on achète un jeu et comment on le met sur Steam pour pouvoir y jouer après. Bon voilà les amis, j'ai choisi un petit jeu, donc je vais prendre le dernier Need for Speed. Donc tout simplement, vous voyez qu'il est à 26 € actuellement sur le site et qu'il coûte 60 €. Il a 56% de réduction, donc on fait Buy Now. Ça va nous l'ajouter au panier. On fait Secure Checkout tout simplement. Vous pouvez payer grâce à tous les moyens de paiement, que ce soit français ou international. Donc là, moi je vais payer avec ma carte bancaire, donc hop là. Donc là on se retrouve dans la boîte mail les gars, j'ai tout simplement reçu le mail de confirmation, vous faites access my code, hop, là vous mettez votre numéro de téléphone, hop, vous faites send SMS, vous allez recevoir un petit message et vous mettez le code que vous avez reçu, eh bien ici, vous faites verify, hop, et puis là vous allez tout simplement recevoir le code de votre jeu. Alors comme je vous l'ai annoncé les amis, aujourd'hui je suis avec la BAC. Sauf que c'est une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude, car comme vous le voyez à l'écran, eh bien j'ai un véhicule que la police en France n'a pas. Mais je me suis dit ça pouvait être sympa de faire une petite patrouille en BAC avec celui-ci. C'est une BMW, franchement elle claque. Alors le modèle, honnêtement je ne le connais pas et il n'est pas marqué derrière, donc je ne pourrais pas vous le citer. Si jamais vous êtes des grands adeptes de véhicules les gars, dites-moi en commentaire si jamais vous connaissez ce modèle là. Et n'hésitez pas à le dire en commentaire. Du coup les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Il y a déjà une première intervention qui vient de tomber, donc on va la prendre là, pour une histoire de kidnapping. Donc ça c'est typiquement les interventions que la brigade anticriminalité eh bien fait au quotidien. Donc c'est parti, regardez les gyros, ça donne ça tout simplement. Et on va patrouiller avec ce magnifique véhicule aujourd'hui en blanc. J'aurais peut-être dû le mettre en une couleur un petit peu plus sombre. Allez, on va essayer d'aller sur zone rapidement là. D'accord, c'est un véhicule. Ok, ça doit être le taxi, je pense. Ok, non, c'est le véhicule noir. Ok, très bien, ça part en course poursuite déjà. Le véhicule lui refuse d'obtempérer. Allez, je demande une patrouille, on va le suivre. Hein. Allez, arrêtez-vous là, arrêtez-vous là. Ah, ça sert à rien de rouler là pour aller n'importe où là. Ok les gars, la BAC en BMW qui va faire un ravage aujourd'hui. On va déjà commencer par interpeller celui-là. Par contre là il va dans une zone qui ne me plaît pas trop, parce qu'elle est très réputée pour que ça parte en cacahuète à chaque fois ces petites courses poursuites. Ok, il tourne, ça me plaît. Au moins on part de cette zone là. Regardez, franchement c'est magnifique. Bon là c'est de l'ELS hein. J'avais pris l'habitude ces derniers temps de vous présenter des véhicules non ELS. Sauf qu'aujourd'hui, je reviens à la base de ce à quoi je faisais avant, c'est du non-ELS. Et ce n'est pas moi qui ai fait ce véhicule-là, c'est un véhicule anglais à la base. Ce qui justifie qu'il y ait une plaque Grande-Bretagne, comme vous pouvez le voir là. Ok, il s'est immobilisé dans un poteau. Il s'est immobilisé dans un poteau là. Punaise. Ok, il vient de repartir. Ok, il est reparti. Oh, punaise. Allez, remontez les gars là. Faut pas qu'on le perde. En plus mon véhicule, franchement j'ai pas l'impression qu'il soit méga rapide. Oh punaise, il remonte dans la petite ruelle là. D'accord, donc le fourgon, ne vous étonnez pas s'il y a un fourgon sur une poursuite hein. Car oui, il y a bel et bien un FPT qui est engagé sur la poursuite. C'est des trucs que j'ai pas réglé dans les plugins ça, que je vais régler pour les prochaines vidéos, parce que c'est clairement pas réaliste hein. Un FPT sur une course poursuite, c'est du n'importe quoi. Ok. Oh, ça tire. Là, tout le monde tire dans le véhicule. Ok, je sais pas ce qu'il a fait là. Oh, punaise. Il a tourné, j'ai même pas fait gaffe.
Ok, il va arriver en face de nous. Il va arriver en face de nous, là. Il devrait être... Il est là-bas, il est là-bas. Mince. Arrêtez-vous! Eh, je me permets d'y aller comme un bourrin avec la voiture aujourd'hui. Hein. On taponne, on tamponne. Hein. Eh, par contre, il est coriace. Il nous donne vraiment du fil à retordre, lui. Hein. Allez, nous, on va y aller, les gars. On va utiliser la méthode... Ok. Ah ouais, il y a un VSAV sur la poursuite également, là. Ah oui, ils ont envoyé toute la cavalerie, là. Hein. Arrêtez-vous, là. Eh, hey, mettez-vous au sol tout de suite, là. Mettez-vous au sol immédiatement, là. Couchez-vous. Il a cru qu'il allait aller où, là? Pourquoi vous courez, monsieur, là? I don't know, what do you think? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Bah, ça, je vous pose la question, mon brave. Ok, il y a un autre monsieur dans le véhicule, là, on va l'interpeller également, là. Eh, sortez du véhicule! C'est un monsieur ou c'est une dame? J'en sais rien, c'est un monsieur, ok, je lui passe ses menottes pour des mesures de sécurité, hein. Ok, je vais faire un slowdown traffic dans la zone. Ah, il nous a bien fait galérer quand même, lui. Hein. Il nous a bien fait galérer. Du coup, lui. Request pay the check to dispatch. J'ai déjà les noms, il me semble. Alors, du coup, monsieur, là. Pourquoi vous courez? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? C'est ce qu'il va me répondre. I don't know, what do you think? Ok. Police officer. L'autre, il est en train de dire qu'il est, que c'est un policier, lui. Bon, vous savez quoi, les gars? Moi, je me prends pas la tête. Je vais évacuer les deux suspects dans des véhicules différents. Parce que lui, il essaie de nous dire... Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de nous dire qu'il est policier. Et relevez-vous, là. Hop, le véhicule, ça part en dépanneuse. Tao service. Large flatbed. Nickel. Allez les gars, nous ça va être une fin d'intervention pour nous là. Ils vont remonter les deux collègues. Il y a la police qui vient avec un fourgon pour les pour embarquer ça. Et puis pour nous c'est une fin d'intervention. Nous on fait vraiment genre quand je fais une vidéo en raid BRI ou un truc comme ça, on arrive, on tape et on part. On fait pas de les paperasses et tout, on fait pas. Nous on est vraiment que brigade d'intervention, les gars. Une brigade d'intervention de la police en BMW. Je pourrais même être 4 dans la patrouille vu que j'ai pas l'intention de transporter de suspects aujourd'hui. Et hier j'en ai transporté pas mal. Mais aujourd'hui, non. Mais pourquoi il y a des VSAV garés partout là? Je sais pas, maintenant les gars, je vois des VSAV qui se garent n'importe où. Ah non, il est pas garé lui, qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi il y a des VSAV qui patrouillent là? Moi je comprends plus rien. Ah, j'ai pas fait de end the call. Je me disais c'est calme. Allez. Oh là! Alors attendez, j'ai une lumière qui est en train de rendre l'âme. Ici. C'est pas un problème, ne vous inquiétez pas, mesdames, messieurs. Parfait. Problème résolu, excusez-moi pour la gêne occasionnée. On va aller en centre-ville. Voilà. Allez. On part sur une intervention, les gars, un accident de circulation là. C'est juste à côté, donc je prends. Voilà, c'est dans une petite ruelle. Je vais aller par là-bas plutôt. Je vais prendre la droite ici. Ok, d'accord. Ça pue cette histoire, ça pue. Du coup, je vais dans la foulée demander un véhicule en renfort. Ça m'étonnerait pas que ça parte en cacahuète. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce qui se passe, messieurs là? Oh là là.
Monsieur, donnez-moi une pièce d'identité, s'il vous plaît. Merci. Request by the check to dispatch, hein. What's going on? Monsieur, donnez-moi une pièce d'identité. Ah non, c'est le même. Alors, déjà, on va commencer par les écarter, les deux personnes là. Hop, la clope, monsieur, ouais, vous la lâchez, hein, vous allez pas fumer alors qu'on est là. Vous fumerez plus tard. Et monsieur, vous allez me donner une pièce d'identité également. Le monsieur là, Carl Zeiss, il est pas recherché. Ah, d'accord, ça sent. Enfin, il y a une respiration irrégulière. Alors, Jack Mitchell. On est proche de Jackie et Michel quand même. Alors, Chris Daniels. C'est celui de tout à l'heure. Lui, changement de voix incorrect. Donc, monsieur, ils ont rien à se reprocher. Ok. Alors, il y en a un. Oh là, les gars, il y en a un qui me fait un test d'alcoolémie sur lui. Parce que j'ai un léger doute. Les véhicules, je vais les contrôler également. Hop. Request vehicle check. Voilà. Et lui, on fait ça dans la foulée. Ok, rien du tout. Ok, d'accord. Positif. Ah, il est bien positif. On me le menote, s'il vous plaît, les amis. On va faire un test d'alcoolémie sur l'autre monsieur maintenant. Vous me faites un test d'alcoolémie ici, s'il te plaît. Voilà, lui il est coffré, ça c'est bon. Une palpation de sécurité maintenant. Hop, tu me l'as fait s'il te plaît. Je vais voir là-bas ce que ça donne. Ok, positif aussi. Mais c'est quoi ça? Ils sont ensemble ou quoi là? On va faire le stupéfiant sur l'autre, du coup. Il avait rien sur lui. Tu me fais le stupéfiant dans la foulée s'il te plaît, camarade. Hop. Là-bas, il avait rien non plus. Ok. Là. Tu me fais le stupéfiant, allez, négative, négative. Ok, très bien. Bon bah les deux véhicules ils partent en dépanneuse hein. Alors attendez, j'ai pas regardé s'il y avait des choses à dire sur ces deux véhicules là. Alors, Jenny Woods. D'accord, ok, il est pas là et lui. Riley Wayan, d'accord, c'est un des deux. D'accord, donc les deux véhicules sont en règle hein, en tout cas. J'ai pas vu de quoi que ce soit qui me semblait pas en règle. C'est déjà là, c'est bien la seule chose qu'ils ont en règle sur eux les deux là. Large flatbed pour celui-ci. Est-ce que lui-là est en état de rouler? Monsieur là, hey. Monsieur là, qu'est-ce que vous faites là? Eh hey, monsieur là, oh. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi ça? Il a craqué lui, oh. Il reste ici là. Il a cru qu'il allait partir ou quoi? Ce véhicule là, du coup. Au service, large flatbed également. Eh, hey, monsieur, allez. Lui là, je crois qu'il a pas bien compris ce qu'il faisait là. Ok, nickel, ça c'est. Il est pris. Eh, eh, eh. Oh, monsieur là, monsieur. Revenez là. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Punaise, les gars, il essaye de faire un... Je sais pas ce qu'il essaye de faire là. Il se barre en courant avec les menottes, il se barre en courant avec les menottes. Arrêtez-vous là, c'est la police là, oh. Ah là, il y a un bug dans le call-out en fait, les gars, là, il y a un gros bug dans le call-out. Ok, ça c'est fait. Je crois qu'il a pas le... Je crois qu'il sait pas qu'il est menotté lui. Police transport. Ok, nickel. Je retourne à mon véhicule. Voilà, c'était compliqué là. Il y a eu Anguille Souroche. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je retourne là-bas. Ok. Lui là. Il va sortir de son véhicule. Hein. Ah non, pardon, excusez-moi monsieur. Je sais pas pourquoi. Ah là, il est signalé en jaune ici là. Bon, c'est pas grave. Allez, hey, fin d'intervention là, nous, hein, on cherche pas à comprendre. End the call, on prend la BM et on retourne patrouiller là. On a un véhicule de poursuite, on n'est pas là pour faire des accidents de la route, nous. Alors. Hop. Voilà, parfait. Par contre, là, je vais être bien embêté pour sortir s'il reste comme ça.
Faut qu'il arrive à manœuvrer. Et moi, faut que j'en profite. J'ai une ouverture là. Vas-y, monte. Je vais aller récupérer le collègue qui est là-bas, moi. Mais attendez, il me manque un copain là. Il est où le collègue là qui me manque? Ok, bah c'est pas grave. Hop, nous sommes disponibles pour une intervention. On va finir à deux, hein. On va prendre une petite course poursuite, j'espère. On va attendre de voir déjà. Non, non, non. On va essayer de faire des courses poursuites. Si je peux faire les courses poursuites, ce serait génial. La BSPP. Vous savez quoi, on va demander. Poursuite. Poursuite in progress. Allez, Davis, poursuite in progress, les gars. On s'engage là, rapide. C'est bon ça. Ça c'est bon. Ils sont là-bas, le véhicule il est rapide quand même. Hein. J'ai quelques patrouilles qui sont engagées. Waouh, là il freine pas. Il y a quelques véhicules qui sont engagés à mes côtés. Ah oui, bah oui, c'est un véhicule rapide, c'est un véhicule de sport, forcément. Hein. Mais bon, on est là-bas en BM nous. Hein. Je tiens à vous le rappeler que on n'est pas là pour enfiler des perles. Hein. Quand on va le choper lui. Ouais, c'est un véhicule de sport, ça j'ai l'impression, avec un aileron et tout. Mais même la Ford, elle est plus rapide que ma BM là. C'est parce qu'il est lourd, il est blindé. Ah ouais, la Ford elle bombarde. Hein. Mais bon, c'est pas tout d'avoir un véhicule rapide, les gars, il faut savoir le conduire. Hein. J'aimerais bien les pousser dans l'eau là, mais c'est pas. Ok, ils font demi-tour. Ils veulent jouer, on va jouer. Mais quand je vais le choper, ça va pas rigoler. Ça va clairement pas rigoler là. Je vais pas leur faire de fleurs moi. Et moi je percute aujourd'hui. Hein. Regardez, on va faire ce qu'on appelle un pit aux États-Unis. Si jamais vous voulez savoir qu'est-ce qu'un pit, les gars, je vous invite à regarder la série Total Pursuit, car j'explique quelques techniques d'intervention de la police américaine. Voilà. Ils ont bien ramassé là quand même, ça les a un petit peu secoués, je pense. Je sais pas trop où est-ce qu'ils se dirigent là. Je sais même pas si eux savent où ils vont. Hein. Je crois qu'il conduisait un petit peu au pif. Oh punaise! Oh, il m'a bien niqué par contre là. Là il m'a bien niqué. Parce que je m'attendais à tout sauf ça. Mais là je vais le prendre à revers. On va faire un petit face à face mon copain. Ça va claquer. Hein. Ils vont avoir les genoux qui vont saigner là. On fait du sale aujourd'hui, on fait du sale. Allez, sortez du véhicule là, mettez les mains en évidence et mettez vos sols. Allez au sol tout de suite là. Il a une arme lui? Non, c'est bon. J'ai cru qu'il était en train de brandir une arme sur les collègues. Arrest the fed, nickel. Nickel. Le deuxième, nickel, les deux sont coffrés. On fait police transport pour les deux suspects là. Hop, two suspects in nearest vehicle, in one vehicle. Oh, on s'en fout de manière. Ils vont pas s'en sortir, on a la caméra, la vidéo, tout ça là. Ils vont finir au trou, large flatbed parce que leur véhicule il est même plus en état de rouler, mec. Hop, désolé. Et du coup, nous on va directement reprendre une petite intervention là, une petite course poursuite. Voilà, hé madame, attention. Allez, hop. On s'en prend une petite poursuite les gars là. Ouah, wow, en plus c'est loin là. Ah, faut aller jusqu'au port. Oh, shot fired, y'a des coups de feu en plus. Ah, ok, ils sont où là? D'accord, ok. Alors comment est-ce que je vais me débrouiller pour rejoindre la poursuite moi?
Mince, mince, mince. Ok, je vais passer par là-bas, je vais remonter ici. Je vais remonter au niveau du pont. Dispatch, we got a visual on the perp in pursuit. Et je vais redescendre là-bas. Ok, ok, le gars il est là, il est là, il est là. Il arrive au niveau du pont, il va arriver au niveau du pont. Il est là, il est là, il est là. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Oh, wow, heureusement que je l'ai joué intelligemment. Punaise, oh. Fais gaffe à la BAC, mon copain. Il est là-bas, il a un véhicule rapide. Mais là, il est parti dans une galère, je pense. Il est parti dans une bonne galère. Et pour qu'il s'en sorte, il va lui falloir de la chance. Parce que moi, je compte pas lui faire de fleurs. Ok. Ah, mon pote, hein, nous, on percute, hein, eh. Je crois qu'il s'attendait à tout sauf à ça. Ok, il me note, il me note. Les collègues procèdent à l'interpellation. C'est royal. Même pas besoin de sortir nos armes, ni de dire asseyez-vous au sol, ceci, cela. Ils s'occupent de tout, ils sont un génie. Ils sont géniaux, pardon. Ils sont génies, ça veut rien dire, Drexys. Allez. Et puis pour nous les amis, ça va être la fin de cette petite intervention ainsi que de cette patrouille. J'espère que celle-ci vous aura plu. Ça change un petit peu les gars, la BAC en BM. On va se retrouver demain pour une nouvelle patrouille, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Drexys et ciao, bye bye.